Projet T-Rock. On file en Corse, du côté de Borgo, plus précisément découvrir Silence of the Abyss. Créé en 2017, les Corses de Silence of the Abyss vont vous emmener dans un univers sombre, violent, mais aussi poétique par certains aspects. Et je pense que, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe, il devrait être conquis. Niveau discographie, le groupe a sorti son premier EP en 2018 et leur premier album au mois de mars de cette année. Un style qui penche vers le groove metal, mais avec une touche de prog, un peu de death, un peu de thrash, et quelques sons que l'on pourrait définir de méditerranéens. Avec notamment un morceau accompagné de chants corses qui sont du meilleur effet. Un album donc très varié. Les thèmes sont assez variés également, entre le nihilisme, l'humain, la maltraitance animale ou encore une vision post-apocalyptique du monde. Au niveau des influences, on est sur un métal orienté des années 90, avec des groupes comme Korn, Slipknot, Rage Against the Machine, mais aussi Gojira, Opeth, Incubus ou encore Cannibal Corpse. Niveau actu, le groupe va sortir une session live qui a été enregistrée dans leur studio. Guettez leur page Facebook, le lien est comme d'habitude dans la description. Cette sortie devrait se faire avant Noël. Ne pouvant plus faire de concert en ce moment, le groupe a commencé à écrire de nouvelles compos en vue d'un prochain album. Bien sûr, je vous tiendrai au courant également quand j'aurai plus d'infos quant à son avancement. Enfin, le groupe a sorti un nouveau clip le 18 septembre dernier. Je vous en mets un petit extrait. Voilà, c'est fini pour Silence of the Abyss. Pour la 100e, c'est la Corse qui est à l'honneur. Ça fait plaisir car c'est le premier depuis la création de la chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et s'il y en a qui regardent cette vidéo, sachez que vous êtes le bienvenu. Mon mail est dans la description. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez découvrir d'autres groupes et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si la vidéo vous a plu, un clic sur le pouce bleu est toujours apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner vos impressions sur le groupe ou pour nous faire partager vos expériences de concert du groupe. Il est temps de passer à un dernier extrait et de vous dire à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !